Bonjour, bienvenue sur Acteur Public TV pour cette nouvelle émission d'Acteur Public Solutions. Nous allons aujourd'hui, avec notre invité, parler de la donnée au cœur de l'action publique. Alors, nous le savons tous, le secteur public est dans une phase de transformation numérique accélérée, très avancée. C'est un enjeu, et parmi les enjeux à relever, eh bien, il y a celui de la simplification de la relation avec les administrés. Et ce phénomène, pour être bien servi, eh bien, entraîne une augmentation très importante, on dira exponentielle, des volumes de données. Alors, ce qui m'amène tout naturellement à poser la question à une spécialiste que nous avons invitée. Je voudrais vous présenter Charlotte Douette. Bonjour, Madame Douette. Bonjour. Madame Douette, vous êtes data scientist chez SAS. Tout à fait. Et je le disais à l'instant, le challenge à relever, c'est cette augmentation exponentielle de la donnée. Ce qui m'amène tout naturellement à vous poser cette question, à vous qui êtes une spécialiste. Qu'allons-nous faire de toutes ces données et quels services, quelles solutions vous apportez à vos clients chez SAS lorsqu'il s'agit de tirer le meilleur parti de cette donnée? Alors, tout à fait, c'est vrai que aujourd'hui, le volume de données est exponentiel, comme vous l'avez dit, et les organisations publiques ont pour volonté de déployer des data lakes pour désiloter cette donnée. Donc, en vue d'avoir des accès transverses et surtout de gagner en efficacité temps. Alors, ces investissements permettent de collecter de la donnée, mais cependant, l'utilisation des serveurs et l'optimisation de ces services ont mal été anticipées. Il y a un problème. Et aujourd'hui, on diagnostique un phénomène de refonte de cette infrastructure qui est le data lake. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est qu'un data lake? Alors, simplement, un data lake, c'est un entrepôt, un lac de données, si on traduit du mot anglais, où on va y injecter l'ensemble de nos données, donc l'ensemble des informations, que ce soit des images, du texte, des informations citoyens. Ça va être un bidon, un local où on va y injecter directement notre donnée. Un gros serveur. Tout à fait, bon. Exactement. Voilà. Donc, beaucoup de données qu'on doit rassembler, organiser aussi peut-être, hiérarchiser, trier. C'est ça. On va tâcher de les organiser, mais surtout, on va essayer de les exploiter, de les utiliser. Et justement, le problème avec ces data lakes, c'est que lorsqu'on l'expose à différentes équipes pour répondre aux différents besoins, que ce soit pour faire de la data science, de la visualisation ou tout simplement du requêtage, ici, avec le data lake, on va avoir un problème d'échelle utilisateur. C'est ça. Vous devez organiser l'usage que font les différentes parties qui composent cette science des data ou l'utilisation de ces data de façon à ce qu'on ne dérange pas l'organisation du data lake. Pas de vagues dans le lac, hein, et que ça soit qu'on garde toute l'efficacité de la solution. Est-ce que c'est un problème, ça? Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai que plus le data lake va être compliqué, il va y apposer des infrastructures en couche et en surcouche pour répondre aux besoins, plus la gouvernance telle des données va être mise en jeu. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la plateforme SAS, on va s'y connecter directement à ce data lake pour utiliser directement les données et simplifier cette gouvernance. Cette nouvelle génération de plateformes, comme celle de SAS, elle apporte quoi en termes d'utilisation, en termes de fonctionnement interne? On verra pour des usages plus tard. Alors, en fonctionnement interne, on va justement raccourcir ce délai de mise à disposition de la donnée aux utilisateurs et on va pouvoir leur offrir un ensemble d'outils analytiques parce que, en fait, l'ensemble des outils vont être centralisés au même endroit. Voilà. Centralisé et sécurisé, j'imagine. C'est toujours, surtout que là, on est sur de la donnée qui peut être sensible. Ça va être de la donnée qui peut être assez confidentielle. Donc, toujours sécurisé. Tout à fait. Sécurisé et même tracé qui fait quoi, où, quand, à quel niveau, de la manière d'avoir un système vraiment plus pérenne et plus fiable dans la continuité. Ah oui, savoir qui a utilisé quelle donnée à quel moment, c'est aussi très important dans le traçage de l'usage de la donnée.
Alors, une fois qu'on a vu, on a creusé notre lac, notre data lake, pour y ranger toutes nos données, qu'on utilise une plateforme de nouvelle génération comme celle de SAS, et que les différents, on a orchestré hein, de façon bien organisée l'accès des différentes parties prenantes dans l'organisation interne, vous avez fini, vous, le data scientist a fini sa mission? Ah non, il reste encore l'exploitation des données et ensuite la dernière étape qui est l'industrialisation. Donc, suite à la création du modèle, l'exploitation de la donnée vraiment, on va pouvoir l'industrialiser et donc le mettre à disposition du métier donc, ou du citoyen par la suite. C'est cette séquence où on passe du data lab au. Alors vous appelez ça l'industrialisation, c'est ça? Tout à fait, exactement. On est du data lab, donc en mode test, où on est en train de jouer en mode avec notre data scientist sur les données, et on va passer à l'industrialisation, au déploiement, vraiment l'application de ce qui a été fait en laboratoire sur le jeu de données complet dans son métier complet. Une question quand même, quand vous passez à l'industrialisation, c'est que vous répondez à une demande d'un des services qui vous passe la commande d'un jeu de données et de son traitement, ou est-ce que c'est une proposition que vous poussez, vous, les data scientists, vers les services en disant, vous savez, on a ça, plus ça, plus ça comme données, ça peut-être. Alors, c'est un croisement des deux, si je peux te dire. C'est vrai qu'il va avoir une demande, une problématique métier à laquelle, en premier, on va répondre. On va vraiment allier les mathématiques et l'expertise métier aux données pour en ressortir une réponse aux besoins. Mais également, il nous arrive de détecter des choses avec des algorithmes et de trouver des nouvelles possibilités, surtout pour le métier, et donc là on va les pousser et on va leur en parler parce que c'est vrai que c'est l'expert métier qui a toute sa connaissance sur la donnée et qui va pouvoir valider ce que nous on détecte avec nos algorithmes. Voilà, le data scientist va pousser une possibilité de calcul vers un des métiers, et les métiers, eux, s'adressent aux data scientists pour obtenir les informations dont ils ont besoin. C'est ça la Tout à fait. répartition des rôles? Exactement, mais du moins, on essaye aujourd'hui d'aller vers une collaboration. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on avait les data scientists d'un côté, les experts métiers de l'autre, et aujourd'hui, c'est vraiment de faire cohabiter les connaissances, les compétences de chacun au travers des plateformes justement de nouvelle génération qui vont permettre de faire collaborer les différents profils, donc au travers d'interfaces visuelles où l'expert métier va directement pouvoir manipuler ces données et en faire ressortir des informations supplémentaires. Oui, ce que vous dites, c'est que cette frontière entre les deux métiers aujourd'hui s'estompe parce que l'usage de ces plateformes collaboratives comme celle de SAS, ça permet justement d'avoir une collaboration en temps réel. Exactement, on va casser les silos entre les populations et vraiment aller plus loin en mélangeant l'analytique et les règles métiers aujourd'hui. Le mélange de l'analytique et des règles métiers, tout ça au service du service public rendu aux citoyens. Charlotte Douette, ben écoutez, je vous remercie pour ces explications. C'était très clair, à tel point que quelqu'un qui ne connaît pas aussi bien le sujet que vous, comme moi, eh bien, j'ai compris qu'il existait aujourd'hui des nouvelles plateformes analytiques de nouvelle génération pour traiter les données, qu'elles sont paisiblement stockées dans un lac de données, et que les métiers de data scientist et les différents métiers du secteur public se rapprochaient grâce à ces nouvelles plateformes pour gagner en efficience. Voilà un bel exemple d'innovation. Je vous remercie pour ces explications. Et à vous tous, je vous dis à bientôt sur Acteurs Publics TV pour une prochaine émission d'Acteurs Publics Solutions.